Salut à tous, c'est Neil. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo top 5 des setups 2018. Donc, il y aura des top 5. Donc, ils sont genre le 5, ça va pas forcément être celui que vous trouvez le meilleur ou que moi je trouve le meilleur. Ça va être envers moi en fait. Si je trouve que le top 5, bah, il est celui qui est le 5 et je l'ai moyen, je vais le mettre dans le 5ème, vous voyez. Donc, il y aura des grands youtubeurs comme des petits youtubeurs. J'ai vraiment mélangé toutes les sortes. Ceux que j'aimais vraiment beaucoup en 2018 pour les mettre dans un ordre. Voilà. On commence la vidéo tout de suite. Comme vous avez pu voir, bah, dans ce setup là, il est stylé, il y a de la lumière, il y a beaucoup de. On voit un peu de choses. Il y a un écran qui est assez grand, je trouve. Un clavier Razer, si je ne me trompe pas. Une manette de PS3 et un téléphone. Et je crois que c'est un iPhone 6. Donc c'est un setup assez simple, mais que je trouvais avec beaucoup de lumière. Du coup, bah, je le mets en top 5. Donc comme vous avez pu voir, on va tout de suite commencer avec le top 4. Setup de Nguyen, je pense que vous l'avez tous reconnu, le setup d'un des membres de la team Nasal. Alors le setup de Nguyen, je l'aime beaucoup, mais par rapport aux autres setups qu'il y a, c'est l'un des plus beaux. Hein. Il est beau, mais les autres setups sont un peu plus beaux que le sien. Mais voilà. Après le setup de Nguyen, c'est quand même l'un de mes préférés. Il y a beaucoup de couleurs et il y a surtout du Marvel et on sait tous que le Marvel je kiffe. Donc après, voilà. Quoi d'autre à dire sur le setup de Nguyen? C'est qu'il y a beaucoup de lumière. La lumière, elle est incroyable sur ce setup. Après, comme je vous dis, c'est mes goûts et mes avis. Si vous avez différents d'autres goûts, peut-être vous mettrez le setup de Nguyen en première position par rapport à l'autre, quoi. Donc voilà. Passons au troisième setup. Au top 3. Du coup, là, c'est le top 3. On va voir qui y a dans le top 3. Ce troisième setup, il est juste magnifique, je trouve. On voit plus de couleurs, on voit du Star Wars. Il y a beaucoup de bleu. Je pense que sa couleur préférée, ça doit être le bleu. Mais ce que je kiffe aussi dans ce setup, c'est que les câbles sont bien rangés, la musique aussi. Je sais pas si vous avez entendu, la musique, elle est stylée. Mais les câbles sont bien rangés et tout. La tour, elle est parfaite. Je veux la même tour, je crois. Allez, je fais mon magasin. Allez, c'est parti. Non, je rigole. La tour, elle est parfaite. Il y a vraiment tout qui est parfait sur ce setup. Donc, il mérite la troisième position. On passe au deuxième setup. Et donc, au top 2, du coup, du setup.
Juste les amis pour ce setup, je me suis dit oh putain, désolé pour le mot, mais oh putain ce setup là, il va être dans le top 5. Parce que quand j'ai vu, je me suis dit il est magnifique le setup, vous voyez, c'était vraiment un des plus beaux setups, c'est pour ça que j'ai choisi en top 2. Alors je vous explique pourquoi. J'ai galéré à le mettre, à savoir la position où j'allais le mettre, soit le top 2, soit le top 1, c'est vraiment incroyable. Il a deux PC gamer, donc une tour et une portable. Un PC gamer portable, il a deux écrans. Je pense que ça lui suffit largement vu la tour qu'il a. Elle est incroyable, sa tour. Waouh, incroyable. Il a un clavier, une souris. Je crois que le clavier, c'est un Razer, si je me trompe pas. Et la souris, je ne sais pas c'est quoi sa marque. Il y a vraiment beaucoup de choses dans son setup. Je ne vais pas tout vous dire. Il a le poste, enfin, une toile de Captain America. Avec son bouclier, le marteau de Thor, vraiment ça c'est aussi incroyable, le rond du cœur de Iron Man, mais waouh, voilà, une toile de The Witcher aussi à sa gauche, à la gauche du Captain, incroyable, au milieu des deux toiles, c'est une réplique d'une AK-47 il me semble, c'est waouh, ce truc il est vraiment incroyable. Ce setup là il m'a vraiment ébloui dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme, je sais même pas s'il y a d'autres termes. Mais voilà. Donc on va passer au top 1 du setup. Donc ça, le top 1 c'est vraiment le mien. Si vous mettez le 2 à la place du 1, je comprendrai. Mais après pour moi, le top 1 c'est vraiment le 1 qu'il y a. C'est voilà, c'est vraiment le top 1. Quoi. Comme quand tu fais un top 1 à Fortnite, bah, lui c'est vraiment le top 1. Et je voulais aussi m'excuser pour les bruits qu'il y a avec mon casque. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est quand je parle trop fort ou quand je mets de l'air. En tout cas, bientôt, je vais avoir un Blue Yeti. Donc, ce sera meilleur la qualité du son. Bref, au top 1 tout de suite. Ah, le setup d'Aiden Show. Encore un membre de la team de la salle. Et il est dans le top 1. Donc, on va tout de suite commencer. Donc, avec la figurine de Hulk Ragnarok. Qui est vraiment incroyable. Je l'ai cherchée, je la trouve même pas. Donc, je sais pas où il l'a acheté. Je vais aller voir sur Amazon après. On peut apercevoir, bien sûr, son trophée des 100 000 abonnés sur YouTube. On voit le marteau de Thor qui s'allume. Qui est vraiment incroyable, son marteau de Thor. Hein. Comme je le répète, j'adore Thor et son micro, son marteau est incroyable. J'ai failli dire son micro. Voilà. Ces trois écrans de PC avec le fond de Thor encore. Je pense que Aiden kiffe Thor. Ça se voit beaucoup dans son setup en tout cas. Son clavier souris plus son tapis de souris Razer. Il doit aussi aimer le Razer. Je pense surtout le clavier. Les claviers sont incroyables chez Razer. Certains font pas de bruit, c'est aussi ça qui est bien chez Razer. Son micro Rode auquel il faisait ou auquel il fait des vidéos. Avant, il avait un Blue Yeti. Un Blue Yeti, voilà, comme la plupart des youtubeurs avaient un Blue Yeti. D'ailleurs. Son Xbox One X avec le logo de Rockstar. Ah, le logo de Rockstar. Bien sûr, c'est un youtubeur GTA, donc je pense que c'est normal qu'il y ait un logo de Rockstar au moins quelque part dans son setup. C'est normal. Ces trois manettes Burn Controller, trois manettes PS4 plutôt, Burn Controller, c'est pareil. Donc, bah, ces trois manettes PS4, on peut les retrouver d'ailleurs sur Burn Controller au prix de 200 euros, je crois. Parce que si vous rajoutez des trucs, c'est au prix de 200 euros, bref, voilà. Sa chaise gamer Noble Chair, donc ça, apparemment, c'est une bonne marque pour les chaises gamer. Donc, voilà. Son casque Razer vert, oui, il a un casque Razer vert. Que je trouve pas mal, que je pense m'acheter plus tard. Voilà, bon, voilà pour le setup d'Aiden. C'était tout pour ce top 5. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.